Donc ça commence par le Rashba. Regardez le Rashba, il y a 700 ans. Pas entendu les psychologues modernes, etc. Aramba, Rashba en mer, Da, je ne sais pas ce qu'il dit, qui la chône raka, tishbordaret. Avec un langage doux, tu peux casser un os. Tu as un os dur ici, tu as un os têtu devant toi. Comment je vais te casser sous la congé? La chône raka, tishbordaret. Au merkara. Et en plus, il te dit, et ta ram, tsarir de alot, minakala, el hamura. C'est-à-dire, en plus des exigences avec tes enfants et tout. Pas tout d'un coup, va, mais d'accord, franchement, petit à petit, augmente les exigences. Très souvent, on commence à être exigeant envers nos enfants, beaucoup plus que ce que leur âge demande. Attends, mais c'est un enfant, tu dis attends, tu lèves pas les yeux quand tu fais le cas d'Amazon, c'est un enfant. Attention, mesure. Mesure l'intensité de tes demandes et le principe c'est minakala et on ne tire pas toute la corde d'un coup. Petit à petit, tiens le temps, tiens le temps. On est contre Rajba en Mérazé. Il te dit comme ça. Il est Zotchama. Écoute ça. C'est une chouba qu'il a écrit. Il a écrit Zé Mashikadavi la Haram Rabbi Yaakov Bena. J'ai oublié, sur la route, j'ai oublié de le mettre en vibreur et j'ai oublié qu'avec le coup. Donc Yaakov ben quelque chose. D'accord, il suit la réponse. Baal Yeshivat Betolitula. Tolitula. D'accord, c'est pas n'importe quoi. Ben Yeshivat Betolitula. Alors il dit comme ça. Donc ça que je te réponds. Parce que lui il a demandé là-bas qu'il a dit voilà, dans la Keïla, il y a beaucoup de Havarianim, il y a tout ça et tout, je sais plus quoi faire et tout. Alors le conseil lui dit que Bilashon Raka, Teshabagram. D'abord une chose, hein, parler gentiment, non, tu peux casser des os. Deux, tes exigences, tu les fais, minakala la hamura. Et ne dis pas, n'étale pas toutes tes exigences là. N'exerce pas toutes tes exigences là. Même si toi, tu as dans la tête tout un plan d'exigences. D'accord? Et il dit comme ça, veine, sochamana, veata d'alecha, ot, ki, i efchar linhog bechola nashim bemidaha. Bon, bah, t'es. Si quelqu'un te dit, c'est quoi la chita de Rino Redo? Comment c'est d'abord? Est-ce que tu peux te comporter avec Yirmiya Cohen comme avec David Sposi? Il y a une chita, il n'y a pas de chita. Ou on l'a vu nazmo, on l'a vu nazmo. Il n'y a pas de chita. T'as premier sod, Yev Charlin Hog Bechol Anashim Bemidahat. Donc pareil à la maison, tu as des enfants, tout ça et tout. Impossible avec chacun Midahat. Avec un, c'est comme ça, avec un, c'est comme ça, avec un. Et donc ça, ça va être ta chokma, ta patience, ta gentillesse, ta anava. De chercher à chacun, qu'est-ce qu'il faut celui-là? Celui-là un peu plus me va dire, c'est incroyable. Où se rorna? Enyan David a donné nous, malgré nous. Asher Naag, Alim, Eno, Mi, Yoav et Shimri. Il avait tout autour de lui, il avait Yoav et Shimri. Il s'est cédé, il méritait la mort. Et il a été sauvé l'Otam, il a attendu, et il a fait, etc. Mais Afalpi, Shayou, Bne Mavet. C'était Bne Mavet, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, ce n'est qu'avant de mourir qu'il a dit à je m'en mener, tiens, maintenant cela c'est de là que tu le règles par contre. Mais toute sa vie il les a supportés. Pourquoi? Vata'am, Shamar ki ayom yadati shani melech al Israël. Ki le chol zman mezuman. J'ai l'impression qu'il veut dire comme ça, sauf, moi j'ai mon malach. Moi, j'étais poursuivi, j'étais pourchassé et tout, mais il y avait un malach que je devienne melech al Israël. Aujourd'hui je suis melech al Israël. Je suis mêlé à Israël. Et cela, malgré tous les complots de ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas dérangé. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé là où je voulais arriver. D'accord ? Allez, sauve-le-toi. Regardez cette phrase incroyable. Ah, et c'est incroyable parce que j'ai retrouvé, je vais vous dire, c'est fabuleux. Ve'alamat aïn mina over, l'iritim mitva. C'est marqué dans. Qu'une fois, on a demandé à Rav Shach, c'est quoi le chimour ? C'est quoi le chimour ? Il a dit alamat aïn. C'est quoi le rhino? C'est ça, André. Le rhino ne regarde pas constamment ce qu'il a fait ton enfant. Le rhino, c'est sage fermer tes yeux. Tu vois, je suis qu'il est fort, hein? Rav Shach. Et maintenant, je vois qu'il a trouvé ça, c'est la Rajba. Rajba, depuis 700 ans, que le Rajba, il dit, mais Alamat Aïn Mina Over, l'héritier Mitzvah. Il a fait une grosse bêtise. C'est pas le moment. En ce moment, je suis dans le malach avec lui, vous êtes où? C'est pas le moment. Je fais semblant que j'ai rien vu. Les Haïti Mitzvah, il n'y a rien vu.
La mère, eh bien, dit, t'as vu ce qu'il a fait? Chut. Alamat aïn mina over le etim mitzvah. Vea kol le fitzorer a shahar. Tout dépend le fitzorer. Vea haram ma'alim aïn le etim bekalout. Haram ma'alim aïn le etim bekalout. D'accord, ça veut dire, c'est pas de temps en temps, rarement. Le haram bekalout il le ma'alim aïn. Elle n'a pas mis d'attend. Quoi, ça fait 10 fois que c'est ma'alim aïn. Et là, ma'alim aïn. Donc, les alamat aïn mina over, les itim mitzvah, des fois c'est une mitzvah, et quoi il te dit, et donc à quoi les fitzor yacha? Et le haram, il est mali maïn bekalout. Pas que le gars il dit, voilà, j'ai des mali maïn, ça va, une fois, non, non, bekalout. Donc, on n'arrache pas. Le type dit, maintenant, qu'est-ce qui a écrit ça? C'est un psychologue moderne. Oui ou non, David Strozzi, si je savais pas dire rajba, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit rajba, toi, mais toi, tiens, on est compte? Et donc il te dit Zouratsati. Et donc c'est ça le conseil que je te donne. Chete Fate Belachon Raka, Param Beshtaim. Vas-y, va. Afiloumea, comme on dit, Param Beshtaim, pour un chef de Shivem, Afiloumea, Pamim. Belachon Raka, essaye, d'accord. Encore la Shonraka, mais ça marche pas, encore une fois la Shonraka. Vers Beraim, à la Raim, Irba Raim, la Raim. Small doha, viyami mekarabia. Voilà. Et là, beaucoup de situations, et bien c'est le small doha, viyami mekarabia. Oulai iskou veyashuv, oulai. Il te dit, attends, c'est pas garanti ce que je te dis. Mais avec cette méthode, oulai iskou veyashuv midar kamara'a verishaim rodin. Par contre, notre première etza moderne du Rajba depuis 700 ans, tu comprends, ne va pas de front, Mali Maïn, et étale tes exigences, Minakala la Hamoura, sois patient, répète deux fois. Quand on dit répète une fois, deux fois, ça veut dire répète, et peut-être de cette manière tu arriveras. Tu comprends comme c'est beau? Et encore une fois, et ne fais pas de klalim, ne fais pas ce que tu as fait avec l'un, avec l'autre, avec lui ça a marché, Donc aussi, vois, Tsoré Rachat. C'est quoi en ce moment? C'est une bonne période. C'est une période de vacances, c'est une période de ça, c'est une période de ça. Tu ne vas pas avoir la même méthode toute l'année. Tu comprends? C'est-à-dire à chaque fois, Haram, il doit réaliser où je suis ici. Ça vous a plu, ça ne vous a pas plu ça? Nif. Il y a ici, ça t'a plu non? C'est un Rajba. Il te dit le Rajba, tu le trouves là-bas dans Helek He, Siman Resh Lomelhet. Tu comprends? Incroyable. C'est une Chouba. Tu vois, le Rajba qui l'a répondu à. Parce que Rabbi Yaakov ben Akashef, Baal Aishiva ben Toulitoula. Toulitoula, c'est à côté de Tunis, Toulitoula. Toulitoula, tu comprends? C'est délicieux, celui qui avait fait ça, c'est un malar. Celui qui avait fait ça, c'est un malar. Ça a déjà tout cassé, toi. C'est un grand malin de tout. Tout cassé, ça c'est. Quand un bain, il faut qu'il fait, toi. Il faut être semblable, il faut être. Mais non! Si tu es déjà un grand balmi d'automode, Mais non. Toi, tu parles d'un père qui ne peut pas se retenir. N'en parle pas de ça. On parle d'un père qui croit que c'est ça le derrière. Le derrière, c'est d'être dur. Le derrière, c'est de parler durement. Le derrière, c'est de taper. Le derrière, c'est d'exiger. Il fait ça. Les chiens, mais ce qu'on dit, c'est derrière. Il dit, tada, que le derrière, c'est pas ça. Le derrière, c'est d'aller. Minakala et la Hamoura. Le derrière, c'est de parler. Le derrière. Quelqu'un va dire, non, les filles à mettre, comment? Quoi, les filles à mettre? Je fais semblant que j'ai pas vu. Je fais semblant que j'ai pas vu. Tu comprends? Il croit, le fait. On parle pas d'un type qui n'arrive pas à être cholé dans la semaine. On parle de quelqu'un qui dit, eh oui, le Rajba dit, oui, fais semblant que t'as pas vu. Attends, je rêve. Fais semblant que t'as pas vu. Après, il dit, là, il a recommencé. Fais toujours semblant que t'as pas vu. Mais je n'ai pas compris combien de fois je vais faire. Bekalout. Le haram Bekalout, il est capable de faire 10 fois de suite semblant qu'il n'a pas vu. Pourquoi? Les fiachas, c'est pas le moment. Là, c'est le moment tendu. Le dossier est tendu. Tu sais bien qu'il a un achat par ailleurs. Il a un achat par ailleurs, c'est une période d'examen, c'est une période de... D'accord? C'est pas le moment. Même 10 fois, même 20 fois, tu comprends? Le père, on parle d'un père, il dit, qu'est-ce que je dois faire? On parle pas d'un père qui est l'ocholet dans l'atmo, il cogne, il crie, il hurle et tout. Donc, qu'est-ce que je dois faire? La réponse de Rajba, il te dit, l'ifamim, les fiachas, mitalem. Fais semblant que t'as pas vu, c'est pas le moment. Parle-lui gentiment, parle-lui doucement. Est-ce que ça marche avec l'autre frère, avec lui ça marche pas? Avec tout ce que tu dois faire différemment. Pardon, tu as des exigences, n'exige pas trop.
référence des exigences. Ne sors pas tout. Même s'il est même ma maître, Anila, il te dit. David Améler, il n'a rien dit. Il continue. Incroyable. Rive. Le Rive, il dit là-bas, l'Agma rapporte dans Moed Katan, que Amte de Rabbi, Hazita Léaou Gavra. Donc on a la servante de Rabbi. Elle a vu un homme, Deava Mahel Ibn Gadol. Il avait une paire de claquards à son fils grand. Amra, elle a dit, Léave ou Gavra Beshamta. Donc on a la servante de Rabbi. Celui-là, mettez-le en anathème. Des caravères, des caravères, Michoum, Venifne, vers le titan Michoum. Il a été ouvert, Venifne, vers le titan Michoum. Des Tania, Venifne, vers le titan Michoum. Bemake Beno, Gadol, Akatoumadaber. Quand la Torah l'a dit, Venifne, vers le titan Michoum, elle parle d'un homme qui frappe son fils grand, qui est déjà grand. Et elle a vu Amta de Rabbi, elle a vu quoi? Il tape son fils grand. Donc ça veut dire quoi, fils grand? Quel âge? 13 ans. 13 ans, bar mitzvah déjà. Il a tapé. Donc ça, c'est un malagig. Un gosse qui est bar mitzvah, c'est béni. Tu ne peux plus le taper. Mais regardez le hidouche du Riva. C'est quoi Riva? Donc déjà, ce que la Gemara te dit à Katoum et Daber, alors le passage ne parle pas de ça. C'est général. Puis rouge. Ah, plaisir, Katoum et Daber. Quand le Katoum, il dit qu'il fait hiver, il inclut beaucoup de choses. Aussi il inclut ça, ou bien ça. Véafal qui est M. Kavenasro. On ne parle pas d'un bête sauvage qui a une histoire de colère, non. Lui il le frappe, et c'est ça sa chita de Khinour. Il le frappe pour l'éduquer. Oui, quand même non. Regardez ce qu'il te dit. Aridva Kadosh, 700 ans. Venirim Dvarim, Delo Gadol Gadol Mamash. Quand on dit Gadol, c'est pas Gadol vraiment. Et là, quand les fichivro, tout d'après sa nature, mon frère, savez quoi? Chez Yesh la rouge, chez Trace Kenegdo, Betibourg, Mamaza. Dès que l'enfant y a à craindre qu'il est assez mûr et qu'il est capable de réagir contre son père, soit il est capable de rendre les coups, soit il est capable, avec les mots, de dire t'as un dicho. Dès qu'il est capable, qui a filou loyé bar mitzvah, même s'il ne possède pas bar mitzvah, mais à 8 ans, à 8 ans, à 7 ans, à 6 ans, il est capable de dire à son père, t'es un nul, t'es un combat. Dès que ce gosse, il est en état de pouvoir, de risquer de pouvoir répondre à son père déjà, En Raoui le Avio, l'idée maqué ou mécalé la vie. Tu te rends compte? C'est-à-dire un enfant de 1 an, 2 ans, dès qu'il a. Des fois au tiro, il est mûr cet enfant, il a déjà de la répartie. Il est capable soit de taper à son dos, soit d'insulter son père. Un gosse intelligent. Tu sais comment il est intelligent? Et tu dis, bon, c'est pas grave, c'est un enfant, quand même. C'est pas que d'aille d'amener un enfant, regardez ce qu'il dit Riva. C'est pas que d'aille d'amener un enfant à Haz Shalom, cette minara, d'avoir tapé son père, ou d'avoir été mécalé. On lui dit, espèce de chose, c'est ça que tu as gagné. C'est ça que tu as gagné. Voilà, tu as été, il finit faire le petit méchol. Ce pauvre gosse, tu l'as mené à ses limites. Et soit il t'a tapé, soit il t'a insulté, il a été mécalé. C'est ça que tu as gagné. Vous rendez compte, c'était Riva? Et là, ishtadenu bedvarim. C'est-à-dire que même si on dit qu'il y a un âge où tu peux encore taper, mais il y a un âge où c'est fini, tu ne peux plus taper. Gadol vadaï, mais même si les fitiro, il n'est pas encore gadol, mais il a déjà suffisamment de maturité pour réagir, va rassurer. Et donc quoi? Tu dois parler, ishtadvarim. Ou mishum de orhad milta de gadol shrikha, qui aïe la kal gadol. C'est pour ça que l'agma dit, parce que c'est shrikha qu'on tape la grand. Un petit, on ne le tape pas. C'est pour ça que l'on m'a dit Gadol, mais de Riva il te dit, et d'où je Riva, Richon, là, Gadol, Gadol, maman, je peux même qu'attendre par le droit. Si quoi, si il fait Tivro, tu peux être au chèche qui va dire un mot. Tu te comprends comme c'est pour ça? Attache au mère, c'est des choses incroyables. Ça. Il te dit comme ça. Et même le Katan, de Rabbi Akiva Eger, il rapporte là-bas, de Shulchan Aruch, il te dit là-bas, mais c'est la chône, Marikash, Amake Benokatal, Yoter Midai. Il le tape trop, c'est trop. Ayoumena dinoto, puisque de suite. Même un petit enfant, si tu le tapes trop, il tape trop celui-là, il a 2 ans, il tape trop. À la fin, il dit écoute, il y a une plainte contre toi, tu tapes trop tes enfants. Mena dinoto, incroyable. Vous vous rendez compte? Et douché, Riva, les filles, Sheva Melotcharim. Il te dit comme ça, maintenant, encore toujours, Rabbi Yechiel, Bar Yekoutiel, Mehaber Ma'alot Amidot. Alors, David, de ces vers, ma'alot amidot, chez Hefer Han Migeone, Kalmar, Ben Yahiel,
Mishpahat Anavim, 700 ans. Il dit comme ça. Maintenant, quand tu vas lui parler, tu vas lui faire Tochacha. Kol Tochacha Shemokhiach Adam Mitoch Ka'as Gamour et Adam Mitkabel et Adam. D'accord, si le père il fait Tochacha, mais à l'intérieur il a un Ka'as Gamour. C'est quoi le mot Ka'as Gamour? Il veut différencier entre le Ka'as Gamour qui est Ka'as Apanim et Ka'as Logamour qui est juste seulement Ka'as Apanim, comme ça. Il dit Vechol Tochacha Shemare Be'atmo Keilu Koes. Comme s'il est quoi, je suis très fâché contre toi. D'accord, qui est loup, mais en vrai, lui, il n'est pas fâché. Intérieur. Mais nous, quoi, il n'est pas qu'un quoi, il est vrai. Mais d'accord, à l'intérieur, il est calme. Il n'a pas le cœur qui bat. D'accord. Bien qu'il lui dise, je suis furieux. Furieux, je suis très fâché. Mais il sait que lui, il n'est pas fâché. Et après, une fois qu'il lui a dit, il dit, viens maintenant. C'est pas parce que je t'ai crié que ça veut dire qu'on est des ennemis. Allez, viens maintenant. Marcel, travers. D'accord. Surtout pas Marseille, beaucoup de gens croient Marseille, c'est que bon, ça va, allez, j'ai trop dit, tiens, par contre, ce que j'ai dit, non, Marseille, c'est pas de être me battre ce qu'il vient de dire. Ce qu'il a dit, il a dit. Tu comprends? Voilà, je t'ai dit, j'étais dur avec toi, mais tu devais entendre cette chose-là, etc. Allez, maintenant, voyons, on a un projet de ça, qu'est-ce qu'on fait ça là? Tiens, Marseille, t'as mon regard. Pas que tu dis, écoute, moi, je t'en prie, tiens, par contre, ce que je t'ai dit, j'étais un peu énervé, je m'excuse, non? Et beaucoup de pères, ils font comme ça, ils crient, ils crient, ils crient. Après, il va quand le voisin, il dit, bon, écoute, tu sais, allez, je te demande, Mechila, j'étais dur avec toi. Mais non, ça ne s'appelle pas Marseille, je m'évadelle ce que tu as dit. Marseille, ça veut dire, bien que je t'ai dit, et je maintiens ce que j'ai dit, il fallait le dire. Il fallait le dire, et tu as bien vu que je t'ai dit que je n'étais pas en colère vraiment, je fais là. Mais, allez, maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit? Qu'est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine Havruta? Marseille, arei mitkabelet, anale. Vous vous rendez compte? Va toracha kazou. Et ça, c'est mitkabel, le gosse mitkabel. Donc on est il y a 700 ans tout ça, 700 ans, moi je suis émerveillé parce que tout ça c'est des choses que tu trouves écrites dans des sfarim modernes, tu comprends, et tu crois qu'ils ont révolutionné le monde. Ba'ala Turim, alors là c'est incroyable, Ba'ala Turim merveilleux, quand Yehuda il se bat avec Yosef pour lui dire rends Benjamin, rends-le je t'en supplie, il dit Benafcho Keshura Benafcho, oui. Alors, Ba'atourim, il te dit, Shnaïm, et ma sœurette. Deux fois, il y a marqué ce mot-là. Acha, le mot Kishura, ici. Et aussi dans Mishle. Dans Mishle, il y a marqué, Ivelet, Kishura, Belevnahar. La Ivelet, et le Kishura, Belevnahar. L'injustice, la Ivelet, la bêtise, je sais pas quoi, la chose tordue. Tordue, Belevnahar, dans le cœur d'un jeune, il y a des choses tordues. La torsion, la tordue, elle est Kishura dans son cœur. Kabo. Chez Amarlo, regardez ce qu'il lui a dit, Yehuda. Yehuda, il a dit à Yosef, « Shiouna, mais c'est un enfant. »« Vera fimoula kangavé. » D'accord, il a pris la gavé. D'accord, il a volé. Mais que tu veux, c'est un enfant. Un enfant, il est tordu. « Mais plein va de chez Tchurabo. » C'est à cause de l'intérêt de Tchurabo. Il est tordu, c'est un enfant. Qu'est-ce que tu veux? Premier chat, regardez. Deuxième chat. Deuxième, hein? C'est ça. Même Benjamin, ouais. Quel âge il avait là-bas? Il avait déjà 10 enfants. Il avait 10 enfants déjà, à part le déguet. Il est pas mûr. Il est pas mûr. Il vient de se faire un chaud. Il se fait un scandale. Donc c'est une chose incroyable. Tu as le boss, il a vu. Tu as vu ce qu'il a fait. Ce sera un mot. Il a fait ça un mot. Pourquoi c'est un mot? Mais c'est un enfant. C'est un gamin. C'est un ado, comme on dit. Il sait pas. C'est un ado qui se fait un chaud. Il a mis, regardez. Regardez comme c'est fort ça. Justement, tu dois savoir que mon père, il le connaît, cet enfant-là. Il sait que cet enfant, il a une vélette Keshura Benafcho. Il sait, il n'est pas mûr, il n'est pas mûr. C'est pour ça. Ça veut dire, c'est pour ça que mon père, il est très cajou avec cet enfant. Parce que vu que lui, il a une vélette Keshura Benibo, il est tordu, ce gosse. Et mon père doit être Mechane Rodo. C'est pour ça que mon père, il est cachour avec lui plus qu'avec les autres. Vous vous rendez compte? Il est cachour avec lui plus qu'avec les autres parce que Dafka, il doit être Mechane Rodo. Incroyable. Et Biour, il te dit. Biour. Chez Yehuda, Itanen, El Yosef, les Shaharet Binyamin. Mais Viba la Tourim, chez Otasou Benanach. Ivelet, Keshura Belevana. Mevaer, ta Kesher. Chez Yehuda, Mar Yosef. Chez Kevin, chez Binyamin, Asama, c'est l'autre.
il a fait maaser l'auto, il a fait une vénette. La reine s'arrive à vivre les radrons. Ah, il faut les faire un écoutant. Qu'est-ce que tu veux le garder en prison maintenant? Au contraire, rends-le-moi. Et je vais expliquer à papa toute la situation. Et papa va être Mechane Choto en connaissance de cause. Il est Rancho, et la reine s'arrive chez des Nafcho, que Choura ben Nafcho chez la ville qu'elle est Rancho. Un gosse comme ça, tordu, capable de voler, d'Afka, il faut qu'il y ait un grand kécher entre lui et le père pour être Mechane Choto. Donc c'est pour ça, donne-le-moi, je t'en supplie. Il faut être Mechane Choto, cet enfant. Vous vous rendez compte comme c'est fort ça? Le Rabbayom, Nafcho, que Choura ben Nafcho, à vous. On peut comprendre avec ça un peu pourquoi Yitzhak il aimait Esav. Esav, Yitzhak il a compris que Dafka Esav. Donc on sépare la tourine. On arrive 400 ans. En plus, donc on a sauvé 300 ans. Rabbi Shlomo El Kabas. Il dit comme ça. Et Had mi Arba Banim Anis Karim, c'est une Shela Atsuma. Bagada, c'est quoi? Bagada, j'ai fait ça. Où? Shai Eno Yodarish. Alam Nema, Ad Pedalo. שנאמר, הגעת ממך ביום ההוא, ורש"י מפרש, והגעת, דברי אגדה, המושכים את הלב, סוגוס, כי זה פעם זה קשיון, הבנתו, אונתמתו על הדיסקשיון. דברי דשוז אגריאב, שמושכים את הלב. שאל רבי שמעון בר קבס, מדוע נקרא הבן שאינו יודע לשאול? אינו יודע לשאול, רק זה אינו יודע. יקסה כי זה בא, הוא לא יודע כלום. דברי רבי, בן שאינו יודע כלום. הוא לא יודע כלום. אני לא יודע, juste אני לא יודע לשאול. הרי אני לא יודע מאומה. לא רק לשאול אני לא יודע. וכל אתם מגדיר אותו כאינו יודע לשאול. תראה כסקידי רבי שלמה גרם. למען האמת ידעו לי, אין לי ילד שלא יודע מאומה. זה אקזיסטו פעם. זה אקזיסטו פעם, אין אופן כי קונה ריאה, מה פתאום? מה פתאום קונה ריאה? אין אופן, אין פורי דו קונסנס. פורי דו קונסנס. זה אקזיסט פעם. כל ילד מן השורה בוודאי יודע. אלא בעייתו היא, אלא אין בעיה הזו בסוף, שאינו יודע לשאול, לשאול אינו יודע, אבל דברים הוא יודע הרבה דברים, רק אינו יודע לשאול. ומדוע? מפני מוראו של אביו, פסקי לפר לסופר. הרב אלקבא סומר, סוגוס כי סיפר בזה את קסון, סיפר לפר סופר, פוקו אלפר סופר. כי כאשר שאל פעם את אביו, אין פועה, אילה פוזי את קסון סופר, איזה טיפל בומומו. ועלו, תחת להעיר לו פנים ועודו, הוא לא יודע לסוריר את הג'ר, איזה שאלה יפה. וזה פעם אמרו, ואני צריך להיות קוסקוס, לפני זה ממש קוסקוס, אמרו בר לברי. וכמו, אילה פני זה, אילה די, אה, שיועד את הג'ר, בצ'יסה, בכיסא כתה ביטון, בצ'יסה, לתת בו, זה לא... יחמיץ לו פעניו, אילה סום רגע, זה, ודחהו מלפנה בכעס. ובטא, ובקוצר רוח. שפטא. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, il avait le couscous devant lui. Tu comprends? Jamais! Alors, c'est ma maman. Au lieu de lui dire, mon chéri, elle était moins présente. Juste, laisse-moi manger mon couscous. Avant, on en parle après. Maman, je dis, agave de gonne, non, il n'a pas osé lui avouer que c'était pour le couscous. Alors, il lui a dit, ah, qu'est-ce que tu bêtes, ça, dit, petit. Attends, tu crois que je t'enlève? Attends. Tu te rends compte comment il dit le Rav Shlomo El Kabas? On dirait qu'il a assisté à la scène. Il a mis le copanim, il a fait comme ça. D'accord, il va là. בכעס, בקוצר רוח, בכך סתם את פיו, רק, זה בזה אינפואה, זה בגיל הרגיל בזה, אינפואה זה דו, אינפואה אילה אילה אילה, בוא סבא אילה אובלי, אילה אובלי רשמי, תשאילה פורמי אבי, זה מיני ברק, סתם את פיו, ושוב אינו שואל, סגוס, אז הוא יודע, אלו, אתה פת קשיון, אתה בן קשיון, אתה לא יודע, אתה לא יודע, או סבא, אתה פת דימור, זה בגלל, זה מיני, C'est fini. La mère elle dit, mais t'as vu comment tu l'as fait? C'est juste une fois, c'est couscous, ça va, tu vois. C'est fini. Il dit par amachat, c'est-à-dire, Satan met pif, chouvé nos joël, chekar me fachet ou l'ichol, va et sa le car on me bat à la gada, ad pétahlo, alecha lifto achchouv. D'accord, il n'est pas médaillé sur le féminin, non, je comprends dire, ad pétahlo, c'est la maman. Non, de même qu'avant, c'est le papa. Ata patahlo, ata chayam. עליך לפתוח שוב, בעידוד ובהארת פנים, את אותו הפה שזגחת. סדתו עד ראובריר, סד בוש כאילו של הפרמי. אתה אומר, כל הגוס היללה, אם פעם פוזית קשיון, ופעם אחת הבת קשיון,
Vous voulez lui. Mais quoi, même toi, tu as oublié peut-être. C'est peut-être ainsi pour qu'il a tient 10 ans. Mais un jour, tu l'as envoyé balader avec comme ça, il n'a pas oublié. C'est fini, ça garantit, vous savez. Incroyable, oui ou non? Quelle heure est-il? Il reste quelques minutes, je vous termine avec le Shla Kadosh. Ah, Shla Kadosh. Pourquoi faut terminer par le Shla Kadosh? Voilà, pas Shla Kadosh. Shla Kadosh, il y a 400 ans. Il te dit comme ça, deux Shla Kadosh. Un Shla Kadosh dans Parashat Vaishlach et un Shla Kadosh dans Parashat Devarim. Vaishlach Yaakov. Vaikra les Rachel ou les Il les a appelés dans le champ. Rappelez-vous, quel parachat c'est ça? Parachat Vaïssé, après que Hachem lui est apparu, il lui a dit, il est temps de retourner en Eretz Israël. Alors, il a appelé Rachel et Léa. Donc, on voit, il n'est pas allé là-bas parce qu'il était en train de travailler. Il ne pouvait pas quitter le lieu de travail. Il les a appelés. Il a commencé à leur raconter, à leur demander Etsa, etc. Ah, c'est fini, il aurait dû dire, voilà, je viens d'avoir une apparition d'Hachem, on y va. Non, il te dit, Hachem Kadosh, En Raou il est Adam. Il convient pas pour un homme quand il veut quelque chose d'un chebeto chez Yachicham Alze Alzadaones. Cette année, nous faisons ça et c'est comme ça. Il impose la chose, il annonce la décision. Il a fait, même si cette décision vient de Shemitba. D'accord? Mais il annonce, il impose à l'Edeones ou à Denisoir, ça veut dire. Il a vaincu. Il y avait peut-être une discussion avec eux. Il dit ta. Voilà. Non, En Raoui. Afki ou Moshel Baem. C'est vrai que c'est toi le patron. C'est pas une décision. Mais c'est une manière, c'est une raison pour imposer les choses telles que tu les fais. Avalishtadel, le fatot otam. El mashirtsu betachlit mashevcha. Incroyable. Ici, Yaakov, il dit on doit partir. Hachem m'a dit. D'accord, mais ce n'est pas de cette manière que je vais aborder. Je vais leur faire le bilan. Ça fait 20 ans qu'on est là, vous souvenez. Vous avez vu comment moi j'étais honnête. Vous avez vu comment votre papa, il n'a pas été tout le temps tendre avec moi. Vous avez vu comme ceci, tatati, qu'est-ce que vous pensez, tatati, pour les crèmes des enfants. Là. Il va les mener. Il va les mener vers le tachlit, ma chefcha, qui est déchit, ogourou, la emmerza. Les mener que d'elles-mêmes, elles disent, ah mais on ne peut plus rester là. Bravo, c'est ce que j'espérais vous faire vous entendre de vous. Bravo, on peut plus rester là, vous êtes d'accord? Allez, voilà, on peut plus rester là. Ça, c'est beaucoup mieux plutôt qu'il le fasse. Moi, je suis à Ranana, vous savez, un grand droit. Ça se passe très très mal dans beaucoup, beaucoup de familles. Le point commun, c'est que c'est le père qui a décidé de faire la ralia. Il a posé à sa femme. Dans d'autres cas, mieux cas, c'est les parents qui ont fait décider de faire l'alia, ils ont posé aux enfants. Les enfants. Donc dans certains cas, c'est la femme qui est en rébellion totale, donc shalom baït, divorce, des trucs très dramatiques. Tu comprends? Et dans d'autres cas, c'est les enfants qui sont en révolte. Et quand tu entends les enfants et tout, mais vos parents, ils vous ont dit quoi? Rien, ils nous ont forcés, on était bien en France, ils nous ont forcés. Donc tu entends la même chose. Et des cas, malheureusement, tu entends que c'est la femme qui dit, c'est mon mari qui a décidé. Moi, j'étais bien là-bas, tout là, voilà. En plus, il nous a mis là, maintenant, lui, il retourne travailler en France. Et non. Il dit, tu veux faire la rien maintenant. Mène ta maisonnée à ça. Mène-les, que des chites en gros, mais à ce moment. Qu'ils aient yoter tov, michi asouzé al sada, onesver. Il te dit, regarde, le shla kadosh, re'e kama irba Yaakov dvarim imrahel. Combien il a parlé, Ibrahim Veléa, qui est des chitratsou, de Tovlev, afin qu'elle veuille de bon cœur. Enfin, piché à Kadosh Bourou, c'est dans le chien, je vais mettre toi. Et Kadosh Bourou lui avait déjà donné l'ordre, d'accord. Mais c'est pas une siba pour briser le shalom baïd, etc., pour forcer tout le monde. J'ai l'ordre, donc je sais le qui vous nous joyez aller, et bien je vais les mener à ça. Je vais les mener à ça. Et il prend son temps. Et la Torah n'écrit pas tout, ça veut dire qu'il en parle beaucoup et beaucoup. Il y a eu un échange, la Torah n'écrit que les RH, de l'échange qu'il y a eu. Ils ont parlé sûrement des heures là-bas sur le champ. Des heures, comment, qu'est-ce qui se passera avec les enfants, tout ça, tout, comment, ils ont parlé. Et il les a menés à ça. Vous vous rendez compte? Un schlag à nos chemins. Les guides des parents ont choisi un kivoun. Comment on répète? Les parents ont choisi un kivoun. Voilà. Ils veulent comme ça, ils essaient de parler aux enfants pour les convaincre. Les enfants, ils veulent pas faire ça.
Excellente question. Les enfants ne veulent pas ça. Répondez-lui. Hein? Mais ça veut dire quoi les enfants ne veulent pas? Les enfants ne veulent plus. Attends, merto, les enfants ne veulent plus. Parce que les parents veulent rattraper à l'âge de l'adolescence, réinstaurer un contact avec les enfants, mais après qu'ils l'ont cassé déjà. Ça n'existe pas qu'un enfant ne veut pas. Un enfant, il ne veut plus. Un enfant, il ne veut plus. Quand son père dit, écoute mon fils, allez viens, t'es un ado, tu sais, moi aussi j'étais un ado. Oh, qu'est-ce qui te ferait plaisir et tout le monde, mon copain, je me comment. Non, mais moi aussi je suis ton copain, t'es pas mon copain. Mais ma piton, qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut plus. Un enfant, il veut. Si le père, depuis le début, il applique ça, tu comprends? Tout le temps, l'enfant voudra. Est-ce qu'il y a plus beau que de discuter avec ses parents? On prend des décisions ensemble, on voit mon père Mechabed dit, mais un enfant, le rôle des situations où nous sommes, c'est les enfants qui ne veulent plus. Le contact a été brisé. Brisé entre les parents. Et donc, alors c'est pas brisé à vie, puisqu'il y a marqué un peu tard l'eau, d'accord? Essaye de réinstaurer ça. On dit que dès qu'il y a un enfant qui va avec ses parents, c'est un problème en amont, forcément. Pas simplement d'amour, on n'a pas parlé d'amour. Non, en amont, en amont. En amont. Forcément, en amont. Obligé. C'est en amont. En amont, ça a été brisé à un certain moment de sa vie. Mais pas forcément une date débloquée, même à pas des enfants là qui ont. Parce qu'il n'y a pas que le date, il y a un sentiment. Il y a un regesh. Dans son regesh, à un moment, son père l'a repoussé très fort. Très fort. Tu comprends? Et ça, c'est ancré en lui. Même le gosse, il ne se rappelle même plus, peut-être. Il ne se rappelle même plus. C'est dans son inconscient. Dans son inconscient, il sait qu'il y a eu quelque chose comme ça. Il n'ose pas. Et donc, même quand son père veut, il veut pas. Tu comprends? Obligé. Pourquoi? C'est le jour qui a créé le Orlam. Il a créé un Teva, forcément, un kécher entre les parents et les enfants. Vraiment, ce kécher a été brisé. Donc soit le père, il doit rechercher en amont qu'est-ce qui s'est passé, tu comprends? Soit même s'il n'arrive pas à retrouver, allez, Léat, il doit recréer ça. Et on voit de là que ça peut. Puisque Ad Petahlo, Rabbi Shlomo Agabashi dit, Alecha liftoach shuv be'idud ou be'arat panim et oto apeshe zagarta. Tu vois, idud, arat panim, avec beaucoup de patience, tu reprends. Tu vas faire des activités communes, tu vas faire comme ça, tout le monde. Tu vas lui poser des questions, par exemple. Tu vas poser des questions, c'est un grand secret ça que j'ai appris ça. Tu vas poser des questions qu'il est obligé de dire oui. Ne lui demande pas une question, alors qu'est-ce que tu penses? Comment ça s'est passé? Non. Non. Pose-lui des questions où il dira oui à chaque fois. Dira oui. Oui. Il y a eu, mes frères, oui, oui. Il y a eu ça, oui, oui. Parce que quand un homme il dit oui, tu vois, on baisse la tête quand il dit oui, oui, oui. Oui. Quand un homme il dit non, 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 oui, tu lui poses mille questions, oui, oui, oui. À force de dire oui, il est nikhna à toi et ça. Les questions, les questions les plus bêtes et les plus futiles du monde. Mais il dit oui. Tu vois, il dit oui, c'est tout. Ne lui demande pas de faire des phrases. Il dit oui. À force de dire oui, 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 il est nikhna et petit à petit il recrée un dialogue. C'est un grand secret que j'ai vu ça dans un CFR. Et maman, je l'ai exercé plusieurs fois. Tu as compris comme c'est beau ça? Lui dit oui, parce que quand on dit oui, il faut comme ça, on baisse sa tête. Oui, oui, oui. Et quand petit à petit, tu as eu un millimètre, on a parlé un petit peu d'un millimètre, la fois d'après encore une fois, tu changes de contexte, etc. Tu réinstalles. Très beau ce que tu as dit, ça n'existe pas un enfant qui ne veut pas, c'est un enfant qui ne veut plus. Tu vois, moi. Quoi, déjà à 2 ans, il ne veut plus, il ne veut plus. Je vous racontais, l'autre, il lui avait. Elle a pris le verre de jus d'orange à 16h. Elle a ouvert le frigo, une petite, elle a ouvert l'heure, et s'est servie un verre de jus d'orange. Alors la mère lui a dit, oh, on prend pas du jus d'orange à 16h, ça empêche de dormir. Tu vois? Alors la gosse, elle lui dit, oh, je suis chez moi. Qu'est-ce qu'elle a fait la mère? Paf! Accumulation de d'erreurs, là. Quoi? Deuxièmement, ne reprochez jamais à un enfant quelque chose que vous ne lui avez pas enseigné. Il fallait enseigner d'avance. Voilà, les enfants d'abord. Attends, non, ça, il sait. Dans la maison, c'est comme ça. On n'ouvre jamais le frigidaire. On demande toujours les choses à papa et maman. C'est vraiment. Mais tu ne lui dis pas ça le jour où il a ouvert. Les enfants, voilà, dedans, c'est posé. Voilà. Deuxièmement, il y a des choses, et c'est papa et maman qui donnent et tout. Vous savez que le jus d'orange, comme ça, tout. Vous ne lui avez jamais dit.
Ben voilà, je lui dis maintenant, non, mais vous lui dites au moment de la ta'ava. Au moment de la ta'ava, elle a déjà servi le jus d'orange. Là, tu lui apprends cette leçon qu'à 4 heures, on ne prend plus le jus d'orange parce qu'on empêche de dormir. Tu dis, comment, c'est pas au moment de la ta'ava que tu vas lui apprendre. Vous comprenez? Et en plus, tu lui dis, tu veux le choper à préserver. Elle te dit maintenant, je suis chez moi. Que tu fais pas. Comment tu peux réinstaurer un contexte avec toi? Elle a 6 ans. Ben oui, mais elle est vachement intelligente. Ben non, tu comprends, donc au contraire, tu lui as pas appris ça, tu dis rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu as vu qu'elle est jeune, tu dis rien. Le lendemain, qu'elle est bien dormie ou mal dormie et tout, tu dis que tu sais, hier, j'ai pas voulu te dire, mais j'avais oublié de te dire, il y a des choses, comme par exemple les grands, ils peuvent pas prendre un café. Tu sais, quand on prend un café, des fois c'est un net, etc. Alors pareil, le jus d'orange aussi, c'est pareil. Donc le jus d'orange, c'est bien le matin, ça donne, mais à partir de 4 heures, il faut pas prendre le jus d'orange. Et puis à part ça, tu sais, il faut jamais ouvrir le frigidaire comme ça. Toujours demander à maman. Maman, je peux avoir un jus d'orange, je peux avoir ça, et maman, elle te donne. Et la prochaine fois, tu verras, je te donnerai du jus de pomme, parce que le jus de pomme, ça aide à dormir. Tout ça, tu lui dis pas, t'as ramassé. Toute la leçon, tu la fais maintenant, mais t'as ramassé. T'as compris? Ça, cette classe est venue. Et comment ça se termine? Quand tu dis, oh, je suis chez moi. C'est ça le livre de l'église de Michel. Et je suis chez moi. Je suis chez moi. Combien de gosses disent, c'est ma chambre. Personne rentre dans ma chambre. C'est quoi, tu dors? Même les parents, là, c'est ma chambre. C'est ta chambre. C'est qui m'a le bête ici? C'est à moi que tu payes un loyer? C'est quoi ta chambre? Qui t'a acheté? C'est qui t'a acheté? Tiens, José, ne dis rien. La fois d'après, tu viens, tu sais, ma chérie, tu vois. Et un balabaï, après, mais si sur place, si c'est pas ta chambre, c'est pas ta chambre, sors d'ici, c'est moi, non, tu finis. Ça s'est passé une fois une bagarre, gamin. T'as compris, fils? Donc, ça, c'est le premier Shla Kadosh. Deuxième Shla Kadosh, Nifla. Dans Parashat Dvarim, tout ça encore on parle pas maintenant des pères qui ont craqué, on parle maintenant d'Adam qui craque pas. Yodéa, il croit faire ce qu'il faut, Ani Mechaner, une fois j'ai vu un père qui jouait au tennis avec son fils en France là. Il ratait le truc, il dit mais t'es un nul, enfin plusieurs fois je te dis comme ça, ta ta ta. Après il me dit, t'as vu quelle relation sympa j'ai avec mon fils, parce qu'il joue au tennis. Mais il n'a pas traité de nul et tout ça, il disait pas, t'as vu, hein, ça va. Comment ton fils Gaïnam, bientôt il se tire avec toi. C'est ça, voilà. Dis-lui, bravo, elle est belle, ça. Magnifique, elle est bonne et tout. Il n'a pas arrêté, nul, mais c'est pas comme ça qu'on fait mes cours, enfin, t'as raté, mais je te fais exprès de me la donner. T'as vu quelle grande relation j'ai avec mon fils. J'ai vraiment joué au tennis avec mon fils, c'est que la pérouse à l'intérieur, c'est. Maintenant, Alto Marlo, justement, regardez. Ça, c'est le grand Yesod du Shla Kadosh. Il est connu, tout le monde le connaît. Et c'est marrant, parce que moi, pendant des années, je l'ai cité au nom du Hidushé Harim. Parce que je l'ai vu dans Marina Shetora, il rapporte au nom du Hidushé Harim. Et là, j'ai vu que c'est un Shla Kadosh. Un Shla Kadosh. Atomarlo atagarua. Ne dis pas t'es un nul. Rakadrava atomarlo hachamata. Toi, tiens, hacham. Ça, c'est le titre, c'est quoi? Il te dit que chez moi, il me dit vraiment ça. C'est Père Mahalatam, à vous la chem. Là-bas, on voit que dans la Torah, il est marqué à vous la chem anashim, hachamim, unfonim, vidouim. Amène des gens qui sont hachamim et tout. Tu leur fais la pomade à tous les équinim, hachamim, nevonim, vidouim, anchechem, tonne pas, ça va, 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 va. Il te dit ça, c'est al derech habasouk, al tochi achletz. Veissanech, à ce moment, il n'a pas marqué de basouk. Al tochi achletz. Ne fais pas de Torahot un moqueur, parce qu'il te détestera. C'est un lait celui-là, ne dis rien. Un lait celui-là. Toi, tu vas faire un Torahot, il va te détester. Ochir le Hacham, par contre, le Hacham, fais-lui la Torahot, il va t'aimer. D'accord? Donc, tiens, on a affaire ici à combien de personnes? À deux personnes. Tiens, un lait, c'est un Hacham. Le lait, ne dis rien. Ne dis rien. Il va te détester, il n'acceptera pas le Torahot. Le Hacham, dis-lui. Magia, Shla Kadosh Omer. On ne parle pas de deux personnes, on parle d'une personne. C'est le même. C'est celui-là. Que Aïnian, que Shiatarotse l'Oriach et Tehan, Alto Marlo, Karve Kachatagoa. Ne lui dis pas, t'es un laisse. T'es un laisse. T'es un nul. Tu sais rien faire. T'es un ratouf. Baisse la tête. Non. Qui as is anecha. Il va te détester. Il n'entendra pas tout ce que tu lui dis. Comment
comment il m'a traité de l'aide, il m'a traité de garoua, il m'a traité de garçon, il m'a traité de nul, ça va pas, non, pas, voilà. D'accord, rien, c'est fini, rien ne rentre, il y a un blocage. Vézou Shomar Al-Tokhiachlet, c'est ça qu'il a dit, Al-Tokhiachlet, c'est pas la personne. Chez l'Otokhiachoto, Bederer Zilzoul, ne sois pas mes amis, Riyardo, c'est Zoul. Le Marlo, let's, attends, t'es un let's, un let's. Rakadraba, ton Marlo, Haramata. Tu sais que j'ai encore un haram, je tombe des nues. Un haram comme toi, un tzaddik comme toi, avec la neshama yafa que tu as reçue, avec ce que tu représentes, vous savez. Comment tu as pu faire ça? J'avais pas honte. Tu comprends? On s'est pas dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a traité de haram, de chose. J'avais pas honte. Vim kar, herpaïlish, comme on prend la sotkarako. C'est normal, un homme comme toi. D'une finesse, d'une délicatesse. Tout est un parmi d'autres. Comment t'as pu faire ça? C'est l'omatim, le chalom, l'omatim, le chalom. Vézeu, rar, le chacham, c'est quand on fait chacham. Que l'on marche et t'assène ou le chacham. Fais le chacham. Il est content, il y a quoi? Ben, il va traiter de chacham et tout. Az ve yaevra. Alors il t'aimera. Ve yishma, l'école de barecha, ve yikabel moussa. Moi, je me rappelle une fois, à Pavé, il y avait un bachour, et nous, on était tous éclatés. Il était tellement énervé, il donnait de l'eau. Et alors, c'était dans la salle du chiro, en présent sur Rav Rotenberg et tout. Tout le monde avait, il a dit, il t'a mis dans ta bête. Le Rav, il a dit, comment un Talmid Haram comme toi se met dans une telle colère? On était tous éclatés, lui aussi. On a oublié tout. On a dit que le Rav, il a traité de l'Eham. On n'a pas compris que c'était une méthode. Tu comprends? Alors là, on a. Comment un tel mitraham comme toi se met dans une décolle? T'as compris? Voilà. Ça, c'est nous.